Toi, tu es chante tout le temps. Yo chante. Dès que vous commencez, alléluia. Alléluia, kaka. Ok. Descends. Quitte. Il y a quelque chose d'autre. Alléluia. Qui a compris? Nana sosole. Ça va, non? Nous sommes en train de développer. Maintenant, nous sommes dans la deuxième sorcellerie. Le deuxième sorte de sorcellerie. Deuxième sorte de sorcellerie. La sorcellerie contre les envoyés comment? Terrestres. Amen. Dans le ciel, Dieu envoie les anges. Sur la terre, il a envoyé qui? Les hommes, les serviteurs. Vous êtes sûr que Dieu a envoyé tous les serviteurs sur la terre? Frère, toi tu es qui? Tu es ouvrier, tu es serviteur de Dieu, non? Vous aussi, vous l'êtes. Amen. Regardez et suivez. Vous êtes mature. Nous enseignons quelque chose ici. Si vous êtes envoûté, vous trouverez une occasion de pécher. Mais si vous ne l'êtes pas, vous comprendrez. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Regardez, je pose une question. Toi, tu serais chantre ici sans moi? Qui Dieu envoie? Nani Oyawatindaka. Son serviteur. Son serviteur. Qui les serviteurs de Dieu envoie? Les ouvriers. Frère, tu vas commencer à faire. Frère, tu, vous voyez? C'est la troisième partie qu'on va dire. Les âmes. C'est ça. Vous, vous êtes les personnes que un homme de Dieu va te dire, Dieu m'a dit, fais ceci. Tu fais ça marche. Voyez-vous ce que je dis? Dieu m'a dit de te dire. Notre salut ici, sur la terre, a un grand fondement qu'on appelle colonne. Vous savez, c'est qui que Dieu appelle la colonne? Ses serviteurs. La Bible les appelle, ils sont comme des colonnes dans le temple. Pasteur Colu, vous êtes constructeur. Nous faisons une vous appelez ça traverse, poutre? Une poutre. On met les barres de fer, c'est ça, non? Tout la caillasse, ciment, patati, on coule le béton. Une poutre. Quand la poutre commence à prendre 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, Pasteur Colu, on aura besoin de qui? Des colonnes. Sinon, ça va tomber. Ça va tomber. Toute manifestation angélique en grand nombre. S'il n'y a pas un serviteur de Dieu pour vous guider, vous pouvez voir dans l'église le désordre. Suivez-moi très bien. Les églises qui aiment trop l'esprit comme nous, mais pas exagérément comme nous. Quand vous arrivez, Amen. Alléluia. Les églises qui aiment trop la manifestation des choses. Je suis là. Vous allez vous rendre compte qu'il va s'installer un désordre. Pourtant, ce sont des dons qui viennent de Dieu. Pourquoi? Il n'y a pas un conducteur. Mais la Bible dit dans Corinthiens 14. Je suggère que certains se taisent. C'est l'homme qui dit ça, l'homme de Dieu qui dit, vous taisez-vous d'abord. S'il ne dit pas ça, c'est le désordre. Alléluia. Quelqu'un va se lever ici, il a l'argent. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Dites avec moi, je prospère. Je prospère. La personne a l'argent. Alléluia. Pendant que le pasteur prêche, c'est Alléluia. Tu oses faire ça, tu vas voir.
Meka omatawa c'est Dieu désordre. Et ça désordre. Mais entre temps, nakasi na semana l'église wana bazana libéralité ça l'église. Vous voyez c'est une manifestation mais quand elle n'a pas un conducteur il y a le désordre. Qui m'oba teli pata zali te quelqu'un dit avec moi amen. Amen. Dans ta maison il y a la joie. Dis avec moi il y a la joie. En la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand maman n'est pas là il y a la joie non? Hein? Non, non, parce que vous êtes maman. Hein, mais quand les enfants sont là sans maman, ils peuvent monter sur le fauteuil. Ils se disent que maman est sortie. Maman est sortie. Oui ou non? Quand maman arrive, elle réduit la joie. Ça devient une joie qui. Qui se sert dans, le, dans, dans la chambre, ça crie, ça crie. Attention, maman est là, maman est là, attention. Quand papa. Ah. Ça diminue encore. Ça veut dire qu'il fait souffrir ses enfants. Non. Bah, c'est une bois mindé. L'ordre. Bah, c'est une bois mindé. Qui a compris? Amen. Donc, nous ne refusons pas votre bonne libéralité. Venez ici emmener l'argent. Mais quand vous emmenez, vous venez vous jeter. On va ramasser tout. C'est le désordre. C'est pourquoi la Bible enseigne que quand les sorciers veulent travailler contre une église, ils vont calculer votre conducteur. Parce que s'ils arrivent à l'embrouiller, lui, ils vous embrouillent tous. C'est pourquoi quand votre pasteur ne peut pas vous recevoir, quand votre pasteur est calme, laissez-le. La Bible enseigne que pour pouvoir réussir et diriger les gens, il faut garder la réflexion. Personnellement, je donne un grand moment à la réflexion. Je donne un grand moment au silence pour que mon esprit reste toujours dans les mêmes normes. Alléluia. Vous m'avez suivi? Amen. Alors, maintenant, donc, cette sorcellerie-là est ciblée sur qui? Le serviteur. Qui sont les dirigeants? Appelez ça homme de Dieu pour qu'on fasse la différence, d'accord? Homme de Dieu. Homme d'accord? De Dieu. Amen. On va maintenant détailler ça. Toujours 7 points. Kakanapona. Premièrement, ils vont travailler contre la vie spirituelle du messager, du Bango, prédicateur, de l'homme de Tungisa. Dieu. La vie spirituelle. Bon, moyamolimonaye. Amen. Comment? Réduisant leur temps de prière par plusieurs occupations. Bakamati bangonga bapesiye akomaka occupé abondela kamoke. Vous me suivez non? Les empêchant d'aller en retraite. Kopeki sakaya akenda kamosika na kolukoke na nzamba. Pour qu'ils ne prient pas. Abondela kate. Les empêchant de jeûner. Kopeki sakaya akilaka. Afin que leur vie spirituelle soit maigre. Potebo moina molimo ekita. Deuxièmement, ils vont travailler contre la vie physique du messager. Frapper de maladie. Les affaiblir par la maladie. Ou même par la mort. Amen. Vous me suivez? C'est pourquoi une bonne église prie toujours en disant « Seigneur, garde mon pasteur en bonne santé. » N'est-ce pas? Sans cette santé-là, ta vie peut recevoir un coup. Parce que le diable sait que toi, l'une des choses qui te fait réussir, c'est l'homme de Dieu. La Bible dit, l'Éternel accomplit les prédictions de ses messagers. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ceux qui écoutent leurs orientations réussissent. Amen. Même quand vous savez bien faire le commerce de tomates, si un homme de Dieu sous l'onction vous dit, Teka Luboso ya Kwenabino, toi tu dis, Te, place en Teka Abiente, tu vas perdre ta bénédiction. Merci, pasteur. Les sorciers dans l'église vont travailler contre la vie biologique du messager. Très bien, pasteur.
la vie biologique du messager. Ils vont frapper la famille ascendante ou la famille descendante. Souvent, quand je vois les réflexions de certains de mes frères dans la famille, ou de certaines de mes sœurs, ou les miennes moi-même, ou celles de ma mère, de mon père, il y a des fois, le diable vient s'aimer des raisonnements qui sont sans sens. Son objectif est de détruire la famille biologique. Vous me suivez? Oh, amen. Amen. Frappez les ascendants. Amen. Et frappez ma descendance. Quand on dit descendance, là c'est qui? Les enfants. Mes enfants. Donc dans l'église, il y a des gens qui ont une seule mission: tuer les enfants du pasteur. Pasteur, tu n'étais pas là? Oui, non? Toi, c'était quoi ta mission? Je devais tuer Léane. Alléluia. Amen. Non, mais imaginez, papa Mathieu, quelqu'un arrive et vous dit: non, moi, ma mission, c'était de tuer Alliance. Vous allez avaler la salive avant de répondre. Bon, frère, comme tu as confessé, ça va. Hein? Mais, tu peux partir. Le confesser, pourquoi il lui fait partir si vite? Parce que le pied tremble. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens dont leur mission, c'est de tuer les enfants de l'homme de Dieu. Ils sont aussi. Pourquoi tu venais à la maison? Pasteur, je venais à la maison parce qu'on m'avait donné la mission de tuer vos enfants. Amen. Je vous en supplie. Faites en sorte que dans la maison de votre berger, que l'on évite que 1000 personnes aillent dans la cuisine, 1000 personnes aillent dans le salon. Si on vous reçoit dehors, dites amen, ça suffit. Parce que notre lieu de rencontre, c'est l'église. Maintenant, si à l'église, à la maison, tu vois qu'on a reçu quelqu'un au salon, c'est qu'on l'a déjà scruté, on l'a déjà vérifié. Mais toi, comme on ne te maîtrise pas encore très bien, donne-nous le temps, s'il te plaît. Donne-nous du temps. Amen. Alléluia. Qui a compris? Papa Joseph Kalala, vous étiez chez moi samedi. Samedi, il y a deux semaines, je crois. Vous avez rencontré Zoro. Il vous a fait entrer. Papa José. Vous voyez un peu la position qu'il occupe là? Il est là. Imaginez seulement quelqu'un qui touche les choses de l'église. C'est comme on le connaît. Mais ce jour-là, Zoro Mamona avait reçu orientation de ne faire entrer personne. Zoro s'est tenu devant et lui a dit: il n'y a pas de visite. Lelo, papa Koyambati. Comme lui est déjà spirituel, il avait compris. Il est parti. Papa José, tu as tapé Zoro à cause de ça. Il connaît comment ça fonctionne dans les choses de l'esprit. Maintenant, si c'était vous, ce pasteur est orgueilleux. Alléluia. Ne prenez jamais le berger comme étant un camarade. Quelqu'un qui doit faire comme toi, tu vois. Il ne peut pas faire ça. Non, il ne peut pas faire ça. Alléluia. Hein? Qui a compris? Un jour, quelqu'un qui avait beaucoup de moyens est arrivé à la maison. Un monsieur qui a beaucoup de moyens. Il arrive à la maison. Quand il part, c'est nous qui prenons, nous le bénissons. Imaginez le scandale. Il n'a rien compris. Nous, on était touchés par le Seigneur de faire ça. Vous voyez que il y a des fois dans la maison de l'homme de Dieu, Dieu veut prendre le dessus. Dieu veut faire les choses à sa manière. Amen. Alléluia. Sœur, vous avez déjà mangé avec moi sur la table? Non. Mais un jour, j'ai invité un frère: viens manger avec moi. Tu sais ce qu'il a dit? Je ne peux pas manger. Papa, je ne peux pas. Non, c'est quand même vous, papa. Non, il a raison.
Mais moi, je lui ai dit, Donc, il y a des formes de politesse qui doivent tomber quand on vous invite. Vous comprenez que ça devient donc compliqué. Et pour bien vivre alors avec eux, soyez simplement sensibles à la voix de Dieu. Amen, hein? Amen. Alors, il va aussi frapper la vie sentimentale du berger. Je n'ai pas cité l'épouse du berger dans la vie biologique parce que la femme n'a aucun lien biologique avec son mari. Amen. Mais la vie sentimentale du messager ou du berger, c'est l'épouse du berger. Ezali mwasina. Celle qui renferme tous ses sentiments. Pour détruire votre âme. Ma fille, donne-moi ton prénom. Comment tu t'appelles? Pardon? Fatija. Pour détruire la vie de Fatija. Satan n'est pas obligé d'entrer, de venir dans votre maison et te frapper. Mais il sait que tu vas bénéficier de quelque chose venant de l'envoyé que Dieu a mis sur la terre. Alors, maintenant, pour qu'il atteigne ton envoyé, il peut frapper la femme de l'envoyé. La femme étant frappée, l'envoyé est déstabilisé. L'envoyé étant déstabilisé, perd sa lucidité spirituelle. L'envoyé ayant perdu sa lucidité spirituelle, n'arrive plus à vous orienter. Et votre vie est affectée. Qui a compris? Vous avez compris? Maintenant, on va décortiquer cette partie-là. Donc, il veut frapper la vie sentimentale du messager en cherchant la mort de la femme du messager. Du berger. Nous avons vécu ça ici, oui ou non? Amen. Oh, oui ou non? Oui. Subitement, soudain, tout à coup, now. Quoi ça? La maman a commencé à tomber malade. Subitement, soudain, tout à coup, la maman doit être hospitalisée. Subitement, soudain, maman Marianne meurt. Oh. De la même manière que c'était venu subitement, soudain, tout à coup, Napoissa, de la même manière, Dieu a chassé ça subitement, tout à coup, Napoissa. On s'est réveillé un matin, ça s'est arrêté. Et parmi ces gens qui viennent combattre l'église, amen, ils ont, certains déjà confessent, ils disent, pasteur, j'ai toujours été jalouse de ma mère. Tu regardes la personne, tu te demandes vraiment. Amen. Sans commentaire. Deuxièmement, toujours dans la vie sentimentale du message. Il cherche à atteindre la réputation de la femme du pasteur. Parce que si la réputation de la femme du pasteur est abîmée, le ministère baisse en termes d'impact et certaines personnes ratent le jour de leur visitation. Avez-vous compris cela? Je veux que les mamans aient pour objectif dans cette assemblée de prier pour leur maman. Défendez-la partout. Parce que quand elle est affectée, le berger est affecté, il perd sa lucidité, toi tu rates quelque chose. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Amen. Il cherche à détruire la paix de la femme du berger. Là-dedans, la plupart dans les assemblées que j'ai visitées, vous voyez le berger, il est là. La femme n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle est triste. Pourquoi? La belle famille l'a fait souffrir. Le pasteur, j'ai été invité pendant un mois dans une église. Je pensais que c'est parce qu'on m'aimait beaucoup. J'ai découvert après que le pasteur m'invitait
Pasteur Maneko Bengisanga, parce que son état d'âme n'était plus bien. Il n'était plus à l'aise. Il n'était plus en paix. Parce que sa femme et lui, ça ne tenait pas. Il y a des fois, je peux fuir la prédication. Parce que sa femme est triste à cause de ce que lui fait souffrir telle ou telle personne. Mes frères, amen. Amen. Là où vous êtes assis, vous pouvez encore supporter certaines choses. Vous voyez comment vous êtes assis là. Quand je vous regarde, les hommes, quand vous êtes à côté de leurs femmes, de vos femmes, je regarde toujours les genoux des hommes. Quand vous regardez un couple assis, dont le genou de l'homme n'est pas légèrement penché vers sa femme, ils auraient un problème. Ça, c'est sans discernement d'esprit. Dès que je te regarde, je dis, frère, et ça ne va pas à la maison. Et parce que c'est l'expérience. Amen. Amen. Maintenant, ça, vous êtes autorisé des fois, je ne dis pas que c'est une autorisation, je dis ça peut vous arriver de balancer le genou ailleurs. Et ça ne dérangera personne. Mais ce matin, quand vous m'avez vu entrer en premier, et maman après, certains se sont dit, c'est sûr que papa est fâché. Ah, papa Zilik. Quand ça regarde le leader, ce qui est ali motazokamba, ça peut prêter à confusion. C'est pourquoi le leader, levez-vous papa. Yangote motazokamba. Même quand il a un problème avec sa femme. Atakutu bayokanegite na butu. Akosimba zo salaka mwa souri pour la colère. Parce qu'il doit être le modèle. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vous le voyez là? Tu m'énerves toi là. Yo, c'est là la copette l'élo. Alléluia. Amen. Et là la femme à côté. Moi c'est Pemben. All being out. Bonne nuit quoi. Yo, yo c'est naobanga yo. Tout ça c'est la souffrance des leaders. Nyon soit n'a pas si. Les leaders ont du mal à exprimer leurs sentiments. Alors, vu qu'il a du mal à le faire, qu'est-ce qui va souffrir en lui? C'est pourquoi je vous dis, enlevez la paix de la femme d'un homme de Dieu. Vous enlèverez la paix de votre berger. Amen. Amen. Alléluia. En cherchant, ils font aussi ça comment? Ils veulent combattre la vie sentimentale du berger, c'est-à-dire l'épouse du berger, comment? Aussi en cherchant à créer un conflit de jalousie physique entre la maman de l'église et les femmes de l'église. La maman pasteur et les femmes de l'église. Amen. Alléluia. J'étais surpris un jour que quelqu'un... Je t'en prie, tu peux me dire, papa. Lorsque on parle à nos femmes ici, on dit, dis à ton voisin que le Seigneur t'aime. Il y en a, leurs femmes sont à côté. Il fait ça. Le Seigneur t'aime. Maintenant, un jour... On parlait de quelque chose de ce genre. J'ai tenu mon épouse pour lui dire, parce que c'est mon épouse. C'est à moi-même. Je suis à elle-même. As-tu déjà enlevé une banane d'un régime et tu peux la remettre après? C'est pourquoi, pendant que nous sommes encore verts, je retiens la banane sur moi jusqu'à ce que je mûrisse pour entrer au ciel, on va se séparer. Et donc j'ai tenu mon épouse, j'ai dit, chérie, oui, chérie. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon amour. Derrière ça, vous n'avez pas idée de combien ça sortit les sorciers dans l'église. Seulement ça. Tout ce qu'on fait qui est bon expose les méchants. Monsieur,
Continuez seulement à être. Que Dieu te bénisse, chérie. Vous ne pouvez pas savoir si votre voisin vous aime ou pas. Mais faites seulement. Mais si ma caca que tu bénisses. Il y a plutôt un église. Il y a plutôt un église. Oh, va t'assumer. Où est ton problème? Et t'as lié. Qui paye à eux? Amen. Amen. Qui a compris? Amen. Merci. Donc, les sœurs sorcières sont venues dire, pasteur, je suis jalouse quand vous tenez maman mariée. Bah si abando qui va côté n'inga na bureau ici n'inga naokaka pas si tant aussi maman mariée. Et là. J'aime bien la table qui est devant mon bureau. Elle est suffisamment grande pour m'empêcher de faire des mouvements brusques. Parce qu'un coup de pied pouvait passer sous la table. On a mis un bois là pour m'empêcher. Que Dieu bénisse les concepteurs de mon bureau. Alléluia. Amen. C'est invraisemblable. Ce que je vous dis est la vérité. La personne dont je parle, les personnes dont je parle sont assises là. Elles ne sont, c'est pas qu'elles sont absentes, elles sont là. Elles savent qu'elle me l'a dit. Baza. Et elles se tombent que j'arrive. Balobela kinga yango. Ba kamwe kutu na zolo bango liboso ba toi. Koki m'église te yaka kuita me crédit. Amen. Alléluia. Ils font aussi, ils portent aussi atteinte au sentiment du berger en cherchant que la femme de l'église n'ait pas la considération des autres mamans en qualité de maman. D'autres mamans dans l'église, quand elles regardent la femme de l'homme de Dieu, en tant que mère, vous devez savoir que nous sommes chrétiens. Et nous, les Africains, nous avons un grand avantage qu'on appelle, un grand avantage que je pourrais résumer dans la culture bantou. Amen. Surtout biso ba bantou. Gloria est où? Gloria. Où es-tu? Restez seulement là. Vous voyez cette jeune sœur? Son mari est juste à côté, assis. Mon avant pembe niwana. On était en réunion. Tozala qui na moi réunion na biso. À 3h du matin par là. Réunion va passer. Pendant que nous sommes en train de travailler. Tant que tout ça là. Un monsieur sort. Sœur Gloria. Montabimika pas au sœur Gloria. Pendant qu'il parlait là, c'est moi dit sœur Gloria. Nos oreilles ont senti qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Mato yo ki ndri sengere ki yokate. On lui a dit non. C'est plus sœur Gloria. Ah, c'est sœur tiens. Non, toi aussi. Oh Gloria Bonnet. Gloria Bonnet. Oh, comment Bonnet? C'est devenu Gloria Messa. Messa. Amen. Tu nous avais demandé de faire ça pour toi. Non. Assieds-toi. Nous avons du respect pour quiconque passe à une autre étape de sa vie. Si alors, monsieur qui est assis là-bas, vous devenez une autorité dans ce pays, chef de l'État, nous allons vous appeler vous, monsieur le président. Mais nous appellerons votre femme Yayae. C'est ça? Non, non. Et c'est une œuvre satanique. Et Zande Misaramabe. Qui a pour but de choquer la femme. Yango Kakapo. Et c'est quoi la femme est choquée? Tango mama, que dans son discours avec son mari dans le secret, qu'elle ait tendance à parler du mal de certaines mamans. Et en parlant du mal de ses mamans, le mari aura une mauvaise disposition de cœur devant ses mamans-là. Quand ses mamans auront un problème, le mari ne sera pas disposé à leur venir en aide. Vous avez compris le principe du diable? Sachez que on ne marque pas qu'un but en pénalty, on le marque aussi en coup franc. C'est-à-dire, on peut tirer le ballon de loin. Ça ne va pas au poteau, ça fait comme ça. Mais l'objectif, c'est la tête de quelqu'un pour que ça entre. Vous comprenez ce que je veux dire? Le diable peut faire une œuvre qui semble ne pas vous arriver, vous attaquer directement. Mais ce jeu-là, c'est pour que ça arrive sur la tête de quelqu'un et frapper votre vie. Amen. Alléluia. Ils vont aussi frapper, nous passons, cinquièmement, à la vie émotionnelle du berger. Berger. Dans l'émotion du berger, nous avons le manque de sentiment de joie.
C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans votre berger de l'église pour que le peuple ne lui témoigne pas de l'amour. Le peuple. Pour que le peuple ne évite d'exprimer leur reconnaissance vis-à-vis de lui. Je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Amen. Personne ne doit devenir pasteur en passant par ici sans que ça ne soit par imposition des mains. Alléluia. Si vous ne pouvez pas, c'est la Bible qui dit, si tu ne peux pas être reconnaissant de ce qu'un homme a fait pour toi, tu ne peux pas non plus dire que tu es reconnaissant de ce que Dieu fait pour toi. Amen. Vous me suivez? Alléluia. Oh, amen. Amen. Chaque jour que j'ai tendu mon micro au pasteur Habib, j'ai fait quoi? Je me suis mis à genoux. Je garderai une reconnaissance éternelle. Alléluia. Vous me suivez? Oh, amen. Parce que le pasteur Habib, pour qu'il me bénisse bien, il doit sentir dans son cœur. Il doit être en fait émotionnellement touché. Jésus a dit souvent, il dit, ému de compassion. Il est saisi par l'acte de quelqu'un et il fait un miracle. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Celui qui voit le sourire de son pasteur est béni. Mon pasteur Habib me fait rire tous les jours. Il rit tous les jours. Le jour où le pasteur Habib ferme le front, je vous dis, vous risquerez de croire qu'aucun volcan est semblable à lui. Il peut vous faire perdre la joie de vivre. Pour le nouveau, c'est mon père spirituel. Quand il a fermé le front, il peut vous faire perdre la joie de Dieu. Je vais poser une question à quelqu'un ici. Qui a déjà eu un moment où le pasteur n'a pas envie de le voir? Ça donne... vous? Venez, José. Venez nous expliquer ce qui se passe en ce moment. Vous aussi? Venez. Comme me disait un jour, mon pasteur, Habib, dit, pasteur Lévi, pardonne l'enfant. J'ai dit, non, moi je l'ai pardonné. Il dit, oui, mais l'enfant souffre. J'ai dit, papa, je l'ai pardonné. Il dit, fais rire au moins l'enfant. Parce qu'il sait que quand un papa te dit, ça va, c'est fini, c'est bon, c'est pas grave, c'est fini. Tant mais qu'il n'a pas repris sa joie, il ne quitte pas là. Amen. Passez-lui le micro, frère. Dans ce moment, papa, vous avez reçu un moment de ce genre. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie? Amen. Je reconnais l'homme qui m'a appris à connaître Dieu. Je reconnais l'homme de mon alliance. Alors, lorsque il éteint son visage et qu'il n'y a pas de sourire envers moi, c'est cette route-là qui est bloquée. Je dis souvent, il y en a qui montent à Mangengenge pour prier. Moi, mon Mangengenge, c'est le pasteur Lévi. Alors, quand il est fâché contre moi ou il ne veut pas me sourire, j'ai l'impression que le ciel m'est fermé. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Je ne veux pas rajouter des mots. L'émotion nous a exprimé ce qui se passe en ce moment-là. Merci, fils. Quand le pasteur Habib décide de me fermer le front, demande à maman Mariam, je perds le sommeil. Tango pasteur Habib a kangela kangé longi. Tu te rappelles le problème que j'avais avec eux, ça m'a abîmé mes journées. Et j'étais tous les jours malheureux. Dieu est invisible. Mais il est visible dans l'homme qui l'a passé devant moi. Alléluia. Amen. Quand cet homme ne peut pas me sourire, le ciel ne me sourit pas. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Donc, le diable travaille dans l'église pour que le pasteur soit choqué et qu'il perde sa joie vis-à-vis de certains. Amen. Amen.
perdre sourire na kati na ye. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Asikisa soba tuté et mingi ba bungisa lipamboli. Quand vous prenez un vœu vis-à-vis du pasteur ou de la maison pastorale, tant que vous osez kateli pona ndako pasteur na pasteur, vous n'êtes pas capable de le faire. Soki o kokosa la ngote sans avoir. Appelez avant que le chagrin naisse dans son cœur. Benga ya moté passe botana motema. Si le chagrin naît dans son cœur, vous lui laissez la place de penser à n'importe quoi. Ce qui motema, je sais pas si quelqu'un comprend. Botindie akanisa, vous comprenez? C'est votre père, ce n'est pas votre gourou. Aza papa nabino, mais aza gourou nabino. Comme disait quelqu'un, si c'est comme ça, je te maudis. Non. Nous ne sommes nous maudissons les œuvres des ténèbres, mais pas nous. Vous avez le droit de dire, papa, ça n'a pas marché. Papa. C'est ton papa. Il a souffert pour toi, il ne peut qu'accepter ça. Mais s'il si prend ça et ça devient un problème, mais ce qui y a, c'est un père. Parce que tu es venu lui dire, vraiment papa, j'ai pas pu. Oyaki koyu ça y est. Eh, abana! Mungu va te maudire. Jamju! Non. Bongo te. Non. Bongo te. Tu maudis ton fils, tu te fais souffrir toi-même. Qui a compris? Amen. Alléluia. Finissons. Tosilis. Sixièmement, n'est-ce pas? Yamotoba. C'est ça? Alléluia. Amen. Il travaille contre le berger en combattant la vie matérielle du berger. Je voudrais que les papas se lèvent, s'il vous plaît. Je vous en prie, les papas. Pour ça, je demande aux jeunes, frères de rester assis. Là, je demande aux papas. Alléluia. Mes bien-aimés papas. Amen. Mes bien-aimés papas. Balingami, papa. Peut-être vous mourrez avant moi. Mais je peux aussi mourir avant certains. Quand je vais mourir, derrière moi, mes enfants risquent de se lever et de dire c'est l'église de notre Père. Vous savez pourquoi ils risquent de dire ça? Parce que je ne leur laisserai rien. Le diable travaille dans la vie matérielle des hommes de Dieu pour faire en sorte qu'ils soient pauvres, qu'ils ne laissent rien à leurs enfants et que leurs enfants se tournent vers l'église et qu'après leur mort, qu'ils détruisent l'église. Je demande au papa de se lever à cette réunion-là. Où Chrétia va se tenir debout pour dire c'est l'église de mon papa. Dites à Chrétia, ton père était un homme juste. Nous lui serons éternellement reconnaissant. Mais il ne nous a jamais permis de te donner l'église en héritage. C'est pourquoi nous avons décidé que vous ne perdrez jamais une offrande de reconnaissance toute votre vie. Car l'église se chargera et verser dans votre compte chaque mois une offrande pour reconnaître que nous étions conduits par ce temps. Mais si vous voulez que Chrétien dise non, ce qui me Chrétien et que moi je fasse deux papiers de l'église, ce que je vous dis, ça se fait dans les églises. Vous signez un papier, mais le papier qui est entré, la justice, c'est le papier qui s'est signé à la maison, moi, ma femme, ma fille, mes petites filles, et puis on a fait entrer ça. Mais frère, je voudrais être un homme sérieux. Je compte sur les papas de cette église. Pour se lever, je t'insiste. J'insiste parce que mon grand frère peut venir. Et dire, c'est l'église de mon petit frère. Vous allez lui dire, ton grand frère était un homme, ton petit frère était un homme juste. Tu n'as aucune part dans cette affaire. Aucun frère congolo, aucune de mes soeurs congolo ne peut venir demander quelque chose à cette assemblée.
seuls mes enfants bénéficieront d'une offrande de reconnaissance. Est-ce que les papas ont retenu ce que je leur ai demandé devant témoins? Alléluia. Amen. Alors, papa, voilà ce que ça veut dire. Quoi? Tu crois que je vais mourir bientôt? L'homme qui vit longtemps n'a pas peur de parler de la mort. La preuve, Dieu, c'est lui-même qui a créé l'enfer. Lui-même, il vit éternellement. Lui-même a créé la mort. Si tu ne domines pas la mort, la mort sait qu'elle peut t'atteindre n'importe quand. Si tu as l'habitude de parler à la mort, le jour qu'elle va venir, tu vas dire à la mort, retire-toi. Retourne. Amen. La mort d'un homme peut être différente. Ça peut être une mort physique, ça peut être une mort du fait que le pasteur est parti. Et cause la couffe, il y a physique, tout est cause la. Parce que je veux partir, je peux voyager, planter une église ailleurs, je fais 10 ans. Hein, maman, je fais 10 ans. Je vieillis, j'ai des mes enfants. Kids. Un jour, un de mes enfants vit à Kin. N'est-ce pas? Et moi, je suis dans un autre pays. Il va vous dire quoi? C'est l'église de mon père. Non. Je vous en supplie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous en prie. Si un d'entre eux fait ça, remettez-le à sa place. Mais les structures vont pouvoir penser à eux. Alors, pourquoi je dis ça? Le diable, quand il veut détruire une assemblée, il détruit la vie matérielle de l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu commence à venir se servir où ça? Dans l'église. Qui a compris? Et dès que l'homme de Dieu se sert dans l'église, suivez-moi, il a pris une chose interdite, il a fait entrer ça où? Chez lui. Quand il a fait entrer une chose interdite, les démons se disent, maintenant c'est le bon moment. C'est le bon moment. Frappons-le. Qui a compris? C'est pourquoi? Les financiers sont... Maman, levez-vous s'il vous plaît. Maman, financier, totelemi. Maman, m'avez-vous déjà vu plonger la main dans votre panier d'offrande? Aussi, au mona, le bon qu'on a kati, y a panier na yo. M'avez-vous déjà vu Yangai? Dans votre bureau de finances, là, venir vous dire, pèse un bon moment, Alléluia. Si je prends les 1000 francs de votre offrande, je l'emmène dans ma poche, j'ai emmené un interdit. Les sorciers, la Bible dit, Satan campe tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Et quand il campe là, il attend. À la moindre faille, il va se lever, il va dire, cet homme mérite la mort. Vous avez compris? C'est pourquoi il faut que... Asseyez-vous, madame. Quand vous voulez éviter que le diable entre dans votre église, faites en sorte que le berger n'ait pas besoin des choses matérielles. Sinon, il convoitera vos voitures. Il va te dire, Nzambe alobi na ngai, on apporte efungwama. Mutukana yowana. Qui a compris? Est-ce que quelqu'un comprend comment le diable veut détruire cette assemblée? Alléluia. Amen. Nous l'avons repéré et nous le détruisons au nom de qui? Jésus. Il va vous dire, mon fils, toi tu es en voiture, ton papa est à pied. Alléluia. Tu donneras ton véhicule à contre-cœur. Qui a compris? Tout ça pourquoi? Certaines choses qui sont l'évangile, les gens ne veulent pas prêcher ça parce qu'ils disent les gens risquent de dire. Non, quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. Nous sommes d'accord avec ça. Alléluia. Pas de l'hypocrisie pour qu'à la fin on se rende compte que les papiers de l'église sont au nom de chrétiens. L'hypocrisie, c'est pour la soukatoire, l'église, c'est ça que ça va combattre les chrétiens. Qui a compris? Ne regarde pas pour me demander c'est qui. Dernier point. Il combat la vie du message du berger. Bango bako telemelaka malako ya
Comment est-ce que le diable fait? Pour qu'il puisse vous atteindre, il va faire en sorte que il travaille dans la sorcellerie dans l'église pour que le message que le pasteur prêche, que lui-même vive le contraire. Donc, il va combattre la vie du message du berger. Son message là, ils vont combattre ça pour qu'il ne vive pas ça. Je vais vous ouvrir les yeux sur un point. Quand un pasteur couche, sort avec des femmes, il aura du mal à vous prêcher la sanctification. Vous me suivez? Amen. Le diable se dit, s'il dit aux gens tout ce qui concerne la sanctification, ces gens vont réussir. Car la Bible dit que l'élévation, la prospérité vient de la sanctification. Vous allez gagner le royaume. Alors pour éviter ça, qu'est-ce que le diable fait? Et il va faire en sorte que le messager vive le contraire de son message pour qu'il cesse de prêcher son message. Je ne sais pas si quelqu'un me suit attentivement. Amen. Alléluia. Une sœur est à l'église. Vous me regardez comme vous me regardez. Amen. Hein? Oh, amen. Je vais prendre une sœur ici. Je ne préfère pas prendre là-bas. Je ne connais pas les états d'âme. Ici. Je prends ma fille ici. Après le culte, c'est l'amusement, elle et moi. Au nom de Jésus, cela n'arrivera jamais. Après le culte, c'est elle et moi. Quand je veux me tenir ici, pour vous dire, frère, il faut respecter ta femme. Tu ne dois pas sortir avec d'autres femmes. Vous allez m'observer, je vais me tenir seulement comme ça. Le péché limite les champs d'action. Pourquoi pasteur vous regarde dans les yeux comme ça, comme je vous regarde là? C'est que quand tu me regardes, toi-même tu es conscient que lui et moi. Mais si Satan met seulement que lui et moi, il y a quelque chose, tu vas voir. Quand je viens ici, je suis comme ça. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Quand la sœur va venir pour que je l'impose les mains, je vais commencer ici. Tout ça pourquoi? J'évite quelque chose. Qui me suit attentif? Il va combattre. Vous voyez le message que nous prêchons à Terre Sacrée? Très rapproché tout le temps à la sanctification. Ça sera le combat le plus sérieux de votre pasteur. Le plus grand combat qu'il aura, ça sera ça. Il sera attaqué régulièrement dans les. Prenez, j'aime vos jupes. À condition que vous ne les empruntez pas à vos petites soeurs. Vous savez ce que ça veut dire? Quand elle est courte, c'est que vous avez emprunté ça. Ce qui. Bon, là, tu as mon coussin, c'est que yo défaki. Remettez la jupe de votre petite soeur. Zongi sa ele ki na yoko. Qui a compris? Qui a compris? Toute votre bénédiction peut être gâchée pour une petite jupe. J'aimerais que toutes les mamans de l'église jouent leur rôle quand elles voient une jeune soeur avec une petite jupe. Que tu sois. Ça l'a été. Écoutez, alléluia. Amen. Tu es maman. Osa maman. Anto. Maman. Tu es maman. Osa maman. Tu vois une soeur. La jupe ne tient pas. Jupe ne tient pas. Pousse en pembe. Tu lui fais un beau sourire. Moi, nanga. Vous sortez. Yaga nan tour de bande. Et bongite oye. Bongite. Koyaga nan soute. Boyoko beti sa papa mabako. Oye, osa maman. Mon papa kota la ka wana. Kota la ka wana ko. Amen. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Ceci ne veut pas dire que votre père est impudique. Mais il y a plein de démons qui vont se charger de ça
pour le détruire. La meilleure manière de gagner un combat, c'est de connaître les points forts de son ennemi. Savoir que quand il percute du gauche, c'est grave. Donc, je vais garder la gauche. Et comme je sais que le diable cherche, vous me suivez, à faire en sorte que ma prédication, que je vive le contraire, tout ce qui est lié à l'impudicité, tout ce qui est lié au sexe, il faut nabomaka pour soka betiwana na sambo. Qui a compris? Mes soeurs, asseyez-vous. Je ne t'ai pas demandé, comprends ceci. Non, comprends que c'est ça. C'est la vérité. Ce qu'on a dit là, n'interprète pas ce qu'on a dit. Avez-vous compris? Amen. Alléluia. Amen. Afin que la prédication que nous annonçons ne soit pas opposée à ce que nous allons vivre. Que Dieu vous bénisse. On acclame Dieu pour cette première fois. Amen.